Le QPC a été créé en fait en 2010, donc ça fait 13 ans. Et depuis, le Conseil consulaire a jugé plus de 1000 QPC. Et ça a été un grand progrès, c'est un grand progrès pour la démocratie, parce que ça permet, je le rappelle, à tout justiciable, devant n'importe quelle juridiction, de lever la main directement ou par son avocat, en disant, Monsieur le Président, Madame la Présidente, vous voulez m'appliquer la loi de XY, 1822, 1940, etc., 48, et moi j'estime qu'elle est contraire à la Constitution. Donc c'est un progrès. Et les avocats nous ont formidablement aidés pour ça. Simplement, je crois qu'il y a encore du travail à faire parce que elle n'est pas suffisamment connue. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment encore de formation. C'est pas le citoyen qui va se réveiller le matin en disant, tiens, je vais poser une QPC. Il faut quand même être informé. Mais ce moyen qui permet de discuter les droits et les libertés que la Constitution garantit sur n'importe quelle loi qui existe, il y a un grand stock de lois, c'est un progrès et c'est vraiment quelque chose sur lequel on a déjà beaucoup travaillé avec les avocats, les magistrats aussi, et on va continuer de le faire et le barreau nous aide énormément.